Ce n'est pas de mon propre chef, comme vous pourriez le penser, que j'entreprends d'écrire d'une plume bien ordinaire la vie du Seigneur Étienne, fondateur d'Aubazine. J'y ai été invité, contraint plutôt, par les ordres de mes supérieurs et pairs. Et s'il fut périlleux de se mettre à une telle tâche, il l'eût été bien davantage de leur désobéir. C'est Étienne qui me conseilla de me rendre à Cîteaux, où j'y pris l'habit de moine. 2 ans plus tard, il me rappela ici, à Aubazine. Depuis ce jour jusqu'à sa mort, j'ai vécu à ses côtés. Jamais je n'ai négligé de consigner dans mon récit tout ce qui m'a paru digne de mémoire parmi tout ce que j'ai vu ou entendu dire à son sujet. Étienne était originaire du Limousin en Aquitaine.